Mmh. Vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. E gli occhi des flingues finalement. Finalement. Aspetta, c'è qualcosa laggiù. Cos'è stato? Cosa hai trovato? Mi sembra tutto a posto. Svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo? Niente lì? No!
Ok. Comme sur des roulettes. Personne ne m'a repéré, je vais la jouer cool et sortir d'ici tranquille. Oh, excusez. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là? Oh, mais vous non plus. Voilà ce qu'on va faire. Si vous ne me dénoncez pas, j'en ferai autant. Tu as quelque chose que je veux. Et tu vas me le donner immédiatement. Vraiment? Eh bien, je suis très flatté, mais malheureusement, je suis déjà en couple. Alors maintenant, je vais y aller. Je suis pas d'humeur pour tes petits jeux. Donne-moi le crucifix. Madame, vous avez beaucoup de chance. Je suis un gentleman. Parce que si... T'aurais fait quoi? Ok, c'est bon. Mais oublie pas. Je voulais pas faire ça. Fais voir ce que t'as dans le ventre. C'est trop téléphoné, tout ça. Tu vas me donner cet artefact. Tu sais, les artefacts, c'est pas ce qui manque chez moi. Il va falloir que tu sois un peu plus précise. Attends, je vais essayer d'être plus clair. Bah écoute, ça doit être le meilleur à jamais. T'en as eu assez? Ou tu préfères continuer à faire le malin? Allez, sois franche. T'es pas une ostéopathe. Tes manipulations font plus de mal que de bien. Arrête! Il est dans ma poche arrière. Où est-ce qu'il est? Sur ton ami Nadine Ross. Vraiment charmant. Ouais, bon, c'est un bordel pas possible ici. J'essaie de maîtriser la situation, mais tout le monde flippe. Je voudrais pas vous stresser, mais maniez Ultra. Attends, où est-ce que t'es? Bonne question. Et toi? Près de la salle de bal. Si tu vois un panneau rond, c'est que t'es sur le bon chemin. Un panneau rond, ok. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un flingue. Allez, manie-toi. Je m'accroche. Je peux pas venir te chercher d'ici. T'as moyen de descendre? Ouais, il me semble, ouais. Super. On se retrouve dans l'allée alors. Viens vers la salle de bal. Ok, à tout de suite. C'était Chabela. Non, je suis coincé. T'en as pas une idée? Le plus rapide, c'est de passer par la salle de bal. T'as dit que la salle de bal était fermée. Ouais, mais maintenant qu'ils savent que c'est vous, ils vont faire évacuer les lieux. En route pour la salle de bal. Ok, Nathan? Ouais, j'ai entendu.
dove sei. Cos'è stato? Ehi, trovato qualcosa? Ho visto qualcosa. Ti copro le spalle. Ça va? T'amuses bien? Non! Moi, j'ai plus rien à faire dans ces enchères. Non, moi non plus. Bon les gars, les juges ont le programme. Il y a trop de gens qui essaient de partir, la ligne elle a craqué. Quelle merde, c'est quoi le plan B? Vous voyez la fontaine juste devant la salle de bal? On se retrouve là. Ok, en route.
suis pas très loin. J'en ai plus pour longtemps. Tu viens en corbillard ou quoi? Dépêche-toi! Bon. J'espère que j'irai pas en enfer. Chiotte. Quoi? Elle est vide. Quoi? Mais... C'est vraiment un enfoiré. C'est ton frère? Tiens donc, une tête de mort. C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avril. Qu'est-ce que c'est? Odier... Mecum eris in paradiso. Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit à Saint Dismas sur la croix. Ouais. Mais... Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sorte de code? Ou un numéro de téléphone? C'est évident. Ce sont des dates. Hein? Oh, yeah. 1659. C'est l'année de naissance d'Avril. 1699? Laisse-moi deviner, l'année de sa mort? Oui, d'après la plupart des récits, mais ça veut dire qu'on a l'année de sa naissance, l'année de sa mort et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avril. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Rafe passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok? Tenez, regardez. L'agencement des lieux est très inhabituel. Hein. Là, c'est la cathédrale, mais le cimetière, lui, est excentré. Rafe concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Écosse. Ok, attendez. Vous vous rendez compte que Rafe sait que vous allez venir? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Et c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais... Après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Rafe est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allô? Allô? Salut, c'est moi. Non, on capte super bien.
Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam, je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça? Pourquoi t'es là, Victor? Ben, parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Oui. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu, ce qui est parfaitement vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Sam aura besoin d'un coup de main. Eh ben, j'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Écosse à cette période de l'année. Bon, on peut dire que Rafe a mis le paquet. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. Sully. Ouais. Tout roule, on va pouvoir y aller. Ok, fiston. Bonne chasse. T'es sûr que tu veux pas venir? Ouais, mais à moins que tu me trouves un tapis roulant, je passe mon tour. Ok, alors à bientôt. Hey, Nate. Oui? Si tu peux faire en sorte de me ramener un petit souvenir, ok? T'inquiète pas. Bon. Allons présenter nos respects au capitaine Avery. Une cathédrale écossaise. Un endroit étrange pour enterrer un trésor. Ben, pas vraiment. À l'époque où Avery a navigué jusqu'ici, l'endroit était déjà abandonné. Possible. En plus, avec l'énorme prime sur sa tête, ça nous faisait de bonne planque.